Bienvenue dans cette quatrième vidéo que je fais pour le forum monde.ets2.fr monde-ets2.8.fr je pense. Donc alors aujourd'hui on va refaire une vidéo avec le Scania 4 parce que je l'ai trouvé très magnifique et j'ai des défauts à vous dire sur le Scania. On va jouer avec skin de Fred BE, donc un skin Atelier. Alors normalement il y avait la remorque avec, mais à 1.9 il marche plus, donc au moins s'il écoute la vidéo il pourra le savoir. Ou peut-être que c'est moi aussi que ça allait manger que ça marche pas. Voilà. Donc alors je pense que c'est la même que la dernière fois. Au niveau de l'amélioration, etc. Non, je pense que j'ai. Voilà. Donc alors. Déjà, comme on est sur un parking, je vais pouvoir vous montrer les défauts que j'ai trouvé. Voilà, je joue aussi avec un son vu par je sais plus qui. Voilà. Un son pour le 564L. Donc c'est très bien fait. Voilà. Je vous laisse écouter. Voilà. Allez. Ah oui, je joue avec aucun mode de physique parce que celui qui est sorti par Kaka marche pas sur mon jeu. Bon, je trouve un moyen, mais bon, pour l'instant je fais la vidéo sans, c'est pas grave. Alors on va se mettre bien en ligne droite pour vous montrer le premier défaut. Alors le premier défaut, c'est que le volant, enfin, vous allez me dire que je suis un chieur et vous aurez raison. Ben, c'est vraiment un défaut, je veux dire, c'est pas facile à le remarquer. Voilà. Alors le volant il n'est pas totalement droit, enfin si vous voulez, là on est d'accord, là, le jeu il est droit, donc logiquement je devrais partir droit. Voilà. Bon là ça se voit pas trop parce que sur le parking c'est plutôt sur l'autoroute, hein, quand on habite, mais voilà, il n'est pas tout à fait droit. Je vais trouver une droite pour vous le montrer. Je sais pas, je pourrais trouver ça, mais ça va. Et le deuxième défaut, enfin je vous le montrerai sur l'autoroute. Et le deuxième défaut, c'est que le compteur de vitesse, il n'est pas... Enfin par exemple, il n'est pas exact, mais quand on dépasse les 60. En gros là, il est exact, là. Enfin, sur l'autoroute, il n'est pas exact. Voilà. C'est des défauts qui sont... Parce qu'il peut facilement les corriger. Je sais pas déjà fait d'ailleurs. Voilà. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour le forum. Et puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de membres qui en ont fait. Géronimo, Julien, enfin, et Fred Dieu. Je crois qu'il y en a d'autres aussi. Donc c'est bien de voir que les gens s'investissent dans la chaîne. Voilà. Alors, encore le test. Voilà, le volant là il est droit. Et je me dirige un peu vers la gauche. Là, il est droit et fait là il est pas droit et je vais pourtant droit voir. Voilà, voilà. Pour vous dire là, mon volant là il est pas droit. Moi j'ai 25. Et là il est droit. Et là donc là on va tout le temps. Voilà. Oui, il fallait vraiment le trouver. Il faut vraiment être un chicheur. C'est dommage que la remorque marche pas parce qu'elle est plutôt belle. La remorque est pas tout. Ouais, j'ai pris un peu trop loin, je sais. Alors pour vous montrer les bugs du compteur, je vais mettre. Ah oui, je joue aussi avec un mode petit rétro, parce que vous l'avez remarqué. Voilà. Alors là je suis à 53, c'est exact pour voir. Là vous mettez, là je suis à 60. Déjà là c'est quoi ça, si je décale un peu, hein, 65. Je suis à 69, c'est pas très exact. Je suis à 75, c'est pas exactement plus.
Bah, je suis obligé de rouler vite pour vous montrer. Mais c'est pas grave, mais c'est plus. Voilà, et là je suis à 80 et il y a marqué 87. Voilà. Pour vous montrer un peu le bug du compteur. C'est tout. Moi je sais pas, mais il faut que j'aille tout droit. Voilà. Donc oui, c'est la deuxième vidéo que je fais avec ce camion parce que je trouvais super. Très réaliste et tout par rapport à d'autres trucs que vous trouvez sur le. Je ferai aussi une vidéo avec un Magnum AE, je pense. J'aime bien les vidéos. Ce qui est dommage là dans ce mode, c'est qu'on voit pas le. Enfin, il n'y a pas le rétroviseur à mot. Donc c'est l'aspect, mais c'est l'aspect. On va un peu vite aussi. C'est très bon. 5 km/h alors qu'en fait on est à. Ah oui, en fait j'ai désactivé le limiteur. Bon, c'est pas grave. Voilà. Un petit décalage de 7-8 km/h sur le compteur. C'est pas très. Je joue toujours à fractionner un éventail. Et je vous rappelle que tous les modes avec lesquels je joue sont disponibles sur le forum. Voilà, chaque fois je suis obligé d'accélérer, sinon on n'entend rien. Là c'est plus du bruit quand même. Donc voilà. C'est une petite présentation de ce mode. Bon, le mode son, je vais rien vous dire dessus, hein, il faut juste écouter. Le mode du cœur du Scania, on a déjà fait une vidéo dessus. Et ça va. Le but de la vidéo, ça aurait été normalement de vous présenter le mode de physique avec lequel j'aurais dû jouer et la remorque, mais le but ne marche pas. Voilà. Aussi un bug, toutes les jantes toutes les jantes de tous les camions de mon entreprise sont rouges, à part celle de base, enfin les méchants. Oui, je sais, je roule comme de mon con. Qu'il envoie beaucoup en puissance. Plus que le Scania normal, à 1688. Sont en d'air, tu feras un même, etc. Je me suis allé par contre. Ah, pour que vous voyez un peu l'intérieur. Ah, on arrive à être bien.
pense qu'on va arrêter la vidéo parce que j'ai plus grand chose à vous dire. Je me garer ici avec mes talents de gareur. Déjà là. Voilà, parfait. J'ai juste rasé, j'ai pas touché. C'est pas parfait, mais ça y est, ça ira. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vous conseille c'est le mode que je vous ai montré dans cette vidéo. Voilà. Et je vous propose d'aller voir sur le forum ou de télécharger. Écoutez, voilà. Mais c'est vrai. De les télécharger, de télécharger tous les modes qui sont disponibles, qui la liste des modes est mise à jour tous les jours. Il y a aussi plein de modes exclusifs que vous verrez sur notre forum ou que notre site, qui est aussi, voilà l'avantage aussi de s'inscrire sur un forum. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et voilà, bye.